Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est GamerGeek, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, comment faire l'épée du P.K. dans Clash Royale. Donc là, nous avons, j'ai les mesures, donc je me suis inspiré de la vidéo de Super Connery qui avait déjà fait la vidéo du P.K., je vous mettrai sa vidéo dans la description. Donc lui, il avait fait en métal, donc moi je le fais en bois, parce que j'ai pas les matériaux pour, et sinon, bah voilà, donc c'est pas grave. Donc ensuite, là, j'avais fait les mesures déjà directement sur le bois. Donc là, il restera plus qu'à tout découper et après de faire la garde. Donc je la dessinerai sur le bois, je couperai et je le mettrai dedans. Et donc voilà. Donc du coup faudra juste attendre quoi. Donc du coup là j'avais déjà fait un prototype en polystyrène. Donc là c'est un peu foiré, j'avais mis du scotch et tout. Je vous raconte pas le bazar que c'était. Donc ouais bon au moins ça a déjà fait un truc d'essai entre guillemets on va dire. Donc voilà. Donc là après je vais vous présenter mes autres projets à venir. Donc là j'ai un autre masque du gobelin Sarvecat. Donc le premier je vous dis direct il a fini à poubelle parce que bon la pâte fumant elle tenait plus et tout. Donc j'avais recommencé. Donc là voici l'autre prototype. Donc là nous avons la bûche. Donc la bûche qui est également en cours. Donc là la bûche elle va être très compliquée à terminer parce que je ne sais je crois que ça n'existe pas les petits pics qui sont là-dessus, donc je vous mettrai une photo bien évidemment. Ensuite nous avons alors attendez que je pousse ça. Nous avons alors soit c'est le sort de rage, soit c'est le sort de rage que tient le bûcheron dans sa main gauche, si je ne m'abuse. Donc là nous avons déjà. Donc faudra juste que je le peigne. Enfin que je le. Mettre à la peinture, voilà, comme ça, là. Vous aurez compris. Donc, juste peindre en rose, parce que le bûcheron, lui, il le tient dans... Enfin, c'est rose, le flacon, entre guillemets. Donc, il n'y a pas de placement de produit ou je sais pas quoi, n'allez pas, voilà. Donc, ensuite... Alors, attendez, voilà. Donc, ensuite, nous avons... cette bombe de peinture rouge, parce que l'épée du P.K., je vais la peindre en rouge, parce que... Moi, j'aime bien le rouge, puis... Le bleu ça m'énerve, donc je préfère faire en rouge. Donc voilà, donc là nous avons le mètre pour avoir les mesures de l'épée. Et donc voilà, du coup nous nous retrouvons quand l'épée ici présente sera découpée. A tout de suite. Donc là je vais vous présenter les mesures de la garde. Donc je vous mettrai une photo parce qu'on voit pas très clair. Donc là nous avons 0,9 mm qui correspond à l'épaisseur de ma planche. Donc après à vous de voir l'épaisseur soit de votre planche soit de votre métal, enfin de la matière que vous utilisez pour faire votre épée. Donc ensuite là nous avons 3 cm qui correspond aux 3 cm du manche. Donc surtout vous trompez pas parce que sinon là vous serez un peu dans la merde. Donc ensuite là j'ai 12 cm de longueur, parce que Super Connery, je pense à peu près qu'il avait fait ces mesures là. Donc après moi je pense que 12 sur 6 là c'est pas mal. Donc après vous de voir la longueur que vous voulez. Donc après trop long pour moi, après j'allais trouver 20 mais en fait c'était trop long. Et du coup on va se retrouver pour le découpage de l'épée et de la garde. A tout de suite. Donc là, nous avons fini le découpage de l'épée et de la garde. Donc maintenant, je vais les assembler. Donc, d'abord l'épée. Nous avons fignolé en faisant l'effet tranchant, entre guillemets. Donc voilà. Donc là, comme ça. Ensuite, la garde. Donc la garde très bien découpée, hein, moi je trouve, personnellement. Donc là, on voit bien les côtés, là, bien découpés. Donc ensuite, l'assemblage. Donc voilà. Comme ceci. En plus, ça rentre parfaitement bien. Donc c'est nickel. Et on voit, donc nous avons l'épée du P.K. Donc là, après, il restera plus qu'à la peindre tout en noir bleu, là, la couleur en gros de l'épée dans le jeu, quoi.
Donc tout entière. Et ensuite, la couleur rouge qui viendra par-dessus pour faire comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais redessiner une garde et l'épée, enfin une autre épée. Donc la garde, je peux la faire là. Comme ça évitera de gâcher du bois. Voilà. Donc ensuite. Voilà. Surtout, soyez bien précis dans ce que vous faites. Très important. Voilà. Et ensuite, pareil pour l'épée, hein. Donc, voilà. Surtout pas bouger, sinon vous recommencez tout. Et voilà. Donc là, je vais vous montrer le résultat, enfin les résultats. Là, nous avons l'épée, donc j'espère que vous voyez bien. Et là, nous avons la garde. Donc voilà. Bon, bah, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver pour le coup de peinture. À tout de suite. Et donc, voilà, nous nous retrouvons pour la peinture. Donc, excusez-moi de la qualité du son de ma voix, mais c'est parce que je suis surprotégé là, à cause de la peinture. Donc c'est parti. Donc surtout n'appuyez pas en continu parce que ça sert à rien, faut juste faire des petits pchit-pchit. Donc c'est parti. Donc surtout protégez-vous bien et protégez bien votre sol ou votre je sais pas. Donc allez, c'est parti. Donc espérons que je vais pas me foirer parce que bon là, il n'y aura pas de seconde chance, hein. Allez, c'est parti. Faites bien attention. Bon, attendez. Bon, vu mes gants, que ça sert à rien. Voilà. On va nous retrouver sur quand je peux nous passer. À tout de suite. On commence à laver les couches. Thank you.
Donc voilà, on va nous retrouvons pour la phase finale, donc la partie rouge de la moitié. A tout de suite. Et ouais, nous retrouvons pour la partie finale, donc la couleur rouge. Donc ça vous dit. Donc bah, évidemment, on a de la moitié qui a la fin. Et donc voilà, ça c'est vraiment nickel, on voit bien le résultat. Donc bah, vous laissez sécher hein, comme vous faites, on va regarder. Ici là on est pas mal, on est vraiment pas mal. On va vous laisser sécher et on se retrouve pour l'autre côté. A tout de suite. Et on va se retrouver pour la deuxième partie. Là, hein, et voilà, l'épée du PK est terminée. Donc j'espère franchement que ça vous a plu. Donc je vous montre un petit bonus que je vous ai réservé spécialement. À tout de suite. Et donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et donc j'espère que l'épée du PK vous a plu, ça m'a pris beaucoup de temps mais moi ça me plaît de faire ça. Donc normalement la prochaine vidéo sera la vidéo où je crée la bûche, donc bah on se retrouve soit pour un pack opening soit pour la bûche. Allez, salut !